Donc voilà. Et bah, je vais démonter la roue. Tac. Après, je vais sortir le pneu. Donc, je vous mettrai en vidéo. Et je vais vous expliquer un peu ça au fur et à mesure. Chez KTM, personnellement, c'est la fameuse clé E32. Donc déjà, pour vous le dire, à moins que je sois une grosse brêle, mais perso, je suis peut-être une, mais je pense que c'est pas un truc simple. Changer un pneu comme ça, donc au démonte pneu, et sans la machine, comme ça, par terre, perso, c'est pas un truc simple à faire. Hein. Faut pas croire que c'est un truc super simple à faire et que voilà. J'ai chié un moment avant d'y arriver. En fait, faut trouver la bonne technique. Donc chacun a un peu sa technique, hein. Moi j'ai la mienne, donc je vais essayer de justement, si elle va bien, de vous la faire comprendre. Pour la petite info, sur la 125 et sur la 9,5, donc c'est les mêmes roues, parce que ça, bah, la preuve, c'est les roues de la 125, mais c'est pas les mêmes pneus. On a du 100 à l'arrière sur la 125, alors que sur la 9,5, on a du 110 en fait. Mais sinon, à part ça, tout est pareil, c'est les mêmes jantes et à l'avant, on a le même pneu. C'est juste l'arrière qui change. Le premier truc, si vous pouvez vous mettre sur un pneu, bah, comme je fais là, un ancien pneu, ça va un peu mieux que par terre. Déjà, ça va mieux et puis ça évite de rayer la couronne ou le disque. Donc ensuite, bah, on dégonfle le pneu, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, donc, on dévisse le gripster. Je vais vous montrer. Ce petit truc là, donc en fait c'est quelque chose qui permet de, je vous montrerai quand la roue sera démontée, qui permet d'éviter le pneu de tourner autour de la jante en fait, donc pour pas que ça tourne la valve et que ça l'arrache par la suite. Bon, je vous montrerai ça en détail. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on dévisse le gripster. Une fois qu'on a enlevé donc l'écrou totalement, on va pouvoir prendre le gripster et appuyer comme ça, voilà, pour le décoller. Donc là, il est décollé, c'est tout bon. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, il faut appuyer partout de chaque côté du pneu pour lui aussi le décoller. Voilà. Parce qu'un pneu, bah, il se colle hein, avec le temps. Si vous êtes deux ou trois, ça va encore mieux. Et si vous êtes tout seul comme moi, faut se démerder. Hop, et là, c'est la merde. Là. On fait pareil partout. Voilà. Déjà, quand vous arrivez à ce niveau-là, il y a déjà du mal de fait. Jusqu'à ce que vous sortiez le tout. Tac. Voilà. Donc, là, on a déjanté le pneu d'un côté. Donc on va pouvoir sortir la chambre à air. Donc la chambre à air est sortie. Si vraiment vous la dégonflez à fond pour démonter le pneu, essayez de la regonfler entre temps pour voir qu'elle ne soit pas crevée quoi. Si vous avez pincé en démontant, que vous remontez tout, et puis qu'une fois que c'est tout remonté, bah elle est crevée, ça fait chier. Je vous parle en connaissance de cause. Donc ensuite, on va sortir ce côté-là. Donc voilà, c'est ça le gripster en fait. Et vous vérifiez que le tour de jante là,
après, donc vous regardez que le pneu soit bien mis partout. Donc que là ce soit bah, parallèle à la jambe, quoi, le trait qu'on a là. Pareil de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez resserrer donc votre gripster. Je vais remettre 1 kg là-dedans. En bas. Donc c'est nickel. Un petit coup de chiffon qui va bien. On va pouvoir remonter tout ça. La petite chaîne. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire, donnez-moi vos avis, et voilà. Pour tout ce que je vous ai parlé en début de vidéo, ça se passe sur mon Insta, que je vous mettrai. Et voilà, merci à vous, à bientôt, ciao.